Là, je fais la vidéo un peu plus tôt que d'habitude. J'ai pas vraiment dormi de la nuit beaucoup. Enfin, j'ai réfléchi à tout ça. Il y a un truc qui pourrait être libérateur, c'est le fait que j'en ai peut-être déjà parlé, je sais plus. Pour l'instant, j'ai pas osé regarder ce que j'ai posté. Il y a un truc qui pourrait être libérateur, donc c'est le fait que si c'est bien dans X jours que je pars, alors je peux tout faire. Avant de partir, je risque rien. Et je pourrais tenter de me lancer des défis que j'ai jamais osé me lancer. J'ai réfléchi à savoir quel genre de défi j'aimerais bien me lancer. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas vraiment un homme qui aime les défis. Si. Il y a bien des défis que je pourrais me lancer si j'avais de l'argent. Je pense que ce serait certainement d'essayer de faire un rapide tour du monde, voir des capitales que j'aurais aimé visiter, et puis des endroits qui sont apparus, j'ai l'impression, dans les rêves que j'ai faits, j'ai vu des tours qui semblaient être de Hong Kong, de Cairns en Australie, de Seattle, San Francisco, New York, Le Caire. Je pense qu'il y avait Prague aussi, Madrid peut-être, Londres c'est sûr, Stockholm, truc en Russie mais je connais pas toutes les villes. Et c'était sûr à cause de la basilique. Donc, je sais pas. Je sais pas si je suis capable de trouver une idée de défi, de tromper la mort. C'est déjà eu raison, mais. En fait, aujourd'hui, je vais retourner en ville. Et je vais essayer de retrouver la petite vieille. Je pense que c'est encore la chose la plus intelligente que je puisse faire. Essayer d'en savoir plus. Parce que là, je me dis que je vais peut-être dans le vide, quoi. Même si j'ai jamais ressenti rien de plus vrai que quand cette vieille m'a touché. À murmurer les mots qu'elle m'a dit. Voilà. Demain, je laisserai un message si j'ai trouvé la petite vieille. Si j'ai pas trouvé, je parlerai peut-être de mes rêves.